La nature est généreuse. Elle nous nourrit, nous abrite, nous chauffe, participe au progrès depuis des générations. Et pour les générations futures, il faut imaginer des solutions plus innovantes, des énergies plus vertes et des carburants plus durables. C'est là tout l'enjeu de la méthanisation. Et si les déchets, agricoles et urbains, devenaient une source d'énergie renouvelable et locale, une énergie en mouvement? Et si chacun d'entre nous contribuait, par des gestes simples, à la production d'énergie grâce aux biodéchets? Cette énergie renouvelable, à la croisée des chemins, trace la voie d'un avenir meilleur. Une énergie qui laisse le choix, celui d'une charge lente ou d'une charge rapide, adaptée aux besoins de tous les acteurs. Et finalement, si le moteur de nos territoires, c'était la valorisation de nos déchets en gaz vert, pour une mobilité durable, alliant autonomie, confort d'usage et engagement responsable. Une énergie qui améliore le confort de conduite et acoustique pour le bien-être de tous à chaque instant. Une énergie qui préserve la qualité de l'air en réduisant massivement les rejets de particules, de NOx et les gaz à effet de serre. Et si le bio-GNV était le carburant d'aujourd'hui pour la mobilité de demain ?